Toujours au motoculteur, c'est le troisième jour. C'est déjà trois jours de passé. Nous sommes avec le groupe Cancer Bat. Ça va les gars? Oui, ça va bien. Ouais, super. Yeah, doing well. Really doing good. Hey. Et toi, tu as un bon week-end? Ouais, nickel, super. Oh, la vraie métal. Un petit peu de punk. Ok, vous allez nous présenter le groupe? Oui. Moi, je m'appelle Liam, je suis le chanteur de Cancer Bat. Et ça, c'est mon bon ami Mike. Drummer. Il joue la bataille. Il y a un batteur. Ok. On va parler un petit peu du dernier album en date. Est-ce okay. que vous pouvez nous en parler plus en détail au niveau des textes et de la musique? Super. Super. C'est tout ce que tu as à dire? C'est quoi la question? J'ai pas entendu. Je voulais savoir. Il y a trop de bruit métal ici. J'ai pas écouté la question. Je voulais juste savoir que tu nous parles du dernier album au niveau des textes et de la musique. Oh, ok. Oui, on a un nouveau album. C'est sorti en 2018. C'était le premier qu'on a fait de nos nouveaux record label. On a fait nous-mêmes. Maintenant, et c'est super, on est vraiment content que ça marche. Où avez-vous enregistré avec qui? Enregistré? Je ne sais pas la question. Recording. Oh, je m'excuse. On a fait avec JP Peters, il est Canadien de Winnipeg. Il a fait les albums de Propagandhi, les deux derniers albums de lui. Et aussi, who else is JP recorded with? Comeback Kid. Oh, yeah. This, like, in metal, a great band called Electro Quarterstaff. Oh, yeah. It's like a very tech metal, three guitars. Yeah. Ils sont cool. Yeah. Comeback Kid, le vrai hardcore canadien. Ok. Vous avez joué au Motoculteur, hein? Donc oui. est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues par la suite, d'autres festivals ou même une tournée, des choses comme ça? Non, on a juste resté dans cette salle pendant toute la journée. On a fait seulement les interviews aujourd'hui. Non? Non, non. C'est pas vrai? Je m'excuse. Où? Quoi? Ouais, on a joué aussi, on a joué le concert. Oh, mais je m'excuse, je pense que tu... La question était, est-ce qu'on a vu les choses dans le festival? Ah, non, on a juste joué notre concert. Mais c'était super. C'était beaucoup plus de personnes qu'on a pensé en avant. Oh, la scène, c'est pleine. C'est super. Bonjour. On s'amuse, super. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues par la suite? D'autres concerts, d'autres festivals? Après ça, on retourne en Angleterre. Mais ça, c'est, on est fini pour l'année avec la France. Ça me ferait triste parce que j'ai pratiqué beaucoup de français. Mais après ça, je parle seulement en Québec. Alors, c'est cool, mais... Ok. Une petite question. Sur tous vos albums, le logo apparaît en gros. Oui. Est-ce que c'est une marque de fabrique ou pas? Ah ouais, j'aime bien cette... C'est le truc qu'on fait avec les six albums, mais c'est toujours un peu différent. C'est la même gars, nos premiers bassistes, et l'homme qui fait tout l'art pour les albums. L'artwork. Alors, c'est lui et moi qui parlent toujours, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée qu'on va le faire. Et toujours on pense, on met la même avec le grand titre. De Cancer Bat, mais un peu différent, toujours. Et cette fois, je veux beaucoup plus de couleurs, parce que je pense que les autres peuvent être bleu, ou rouge, ou jaune, ou gris. Mais maintenant, je pense, on peut faire quelque chose un peu plus différent, alors. D'accord. Et vous allez continuer dans ce style, ou revenir un petit peu à ce que vous faisiez avant? Oh, moi, je sais pas pour le septième album. On doit l'écrire bientôt, mais je sais pas quand on fait. On a beaucoup de tours pendant cette année, alors je pense que ça va être en 2020 qu'on va commencer. D'accord. Ok. Justement, vous avez sorti un EP avec que des reprises de Black Sabbath.
Ah oui. Oui. Hein. Est-ce que vous allez refaire ce genre de choses? J'espère qu'on peut faire des autres chansons de Black Sabbath dans le studio, mais on n'a pas des comment on dit plans. On n'a pas, ouais, pas de plan. Pas de plan. C'est ça. On n'a pas de plan maintenant, mais j'espère l'année prochaine on peut faire beaucoup de choses différentes avec Black Sabbath et de nouvelles chansons et choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres groupes que vous voudriez reprendre comme ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de des autres couverts. Je veux faire Led Zeppelin et aussi Rage Against the Machine. Mais je pense que on a nos choix maintenant. On est juste un groupe de Black Sabbath. Alors, on doit juste rester avec ça. D'accord, ok. Comment ça se passe au niveau de la composition dans le groupe? Composition? Oui, est-ce qu'il y en a qu'un seul qui compose ou est-ce que c'est tout le groupe? Oh non, c'est tout le groupe. C'est juste, il y a quelques gars qui ont les idées, mais quand on est tous dans la même salle, c'est ça la vraie counterbat. C'est quand on fait ça que les tracks vont être mieux. Sinon, quand on dit, it's like that's how we get our true sound, oui. Is when it's the four of us, yeah, in the room together. Okay. Right? Oui. Comment voyez-vous la scène chez vous? C'est super. En Canada, oui. Il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de bons groupes. Oui. C'est différent. Oui. Mais aussi, il y a beaucoup de différences en les provinces. Alors, quand tu allais à Québec, il aime bien la skate punk, mais aussi la metal. Il y a une plus différente scène pour les autres. Mais quand tu allais à Manitoba, c'est mieux comme tous les gars vont aller au concert ensemble. Et c'est super cool. Ok. Question, Jérôme? Non? Tu as une question? En anglais? En anglais? coming, Jérôme. Coming. La question en anglais, spécialement pour Mike. So, Mike, just want to know if it's easy to get on the road with those guys every day. If it's easy? Yeah. Oh, yeah, it's the easiest. Yeah. He's chill. It's usually, yeah, we have fun. Yeah. We often are in the van driving, you know, and we don't even listen to music or anything. We just talk and hang out and laugh. Feel it. Yeah. Mais quelquefois je dormis et il doit écouter un podcast. Il se repose pendant ça. Okay, so being a drummer in a band like Cancer Bats, you always play drums? Yeah, always. Different bands before, maybe? Yeah, lots of different bands. Can you tell us about your background? When I was like around 16, I started in a band called Figure Four. And that started, and it was with Andrew, who's the singer of Comeback Kid now, and Jeremy, the guitar player. Jeremy joined later, but regardless, when I was 18, Andrew and I started touring together. Toured into the States, we came to Europe, we went to South America, toured in Brazil for a month. So it got, like, I've always wanted to, when I got a drum set, the first thing I did was find five people to join a band with me, you know. Yeah. Yeah, and then we were going to see Mike's band when I was, like, young. And like looking up to these guys as like, this was like kids who were my age and they were touring all over the place and like putting out records. It was like the most inspiring thing, yeah. Yeah, so like we're touring with Comeback Kid in November, and it'll be 20 years of me and Andrew touring together. Cool. Yeah, that's so that'll be cool. Anniversary tour. Yeah, 20th anniversary, yeah. Do you remember the first time you play live with a band? In front of public? Kind of. I grew up, my parents are pretty religious and we go to church all the time. And I played when I was like 14, 15, like me and some friends had a band and
We played at church. Yeah, yeah, yeah. Yeah. First time in front of. Yeah, yeah, in front of people. Yeah, and we played our original song. And then one time, I played with. I was still in high school, and I played with some other guys at a church thing, and we played "Rain and Blood" by Slayer. Oh, yeah. Yeah, awesome. Fucking cool. Yeah. Et pour toi? La première fois que j'ai joué en avant de des personnes, j'étais le chanteur d'un groupe de ska. J'étais 17 ans et j'ai mon petit cravate et on a joué pour, je pense, 20 personnes et je pense que c'était le meilleur concert de ma vie. C'était sûr, c'était super. Non, mais c'était la première fois que j'ai chanté et j'ai fait le banter. Comment on dit banter? J'ai fait les blagues avec les gars et je pense, ah, j'aime ça, je s'amuse bien avec ça. Alors, c'était le trajectoire pour ma vie. Ok, eh bien, on va finir cette petite interview, on va vous demander un mot pour la fin, ce que tu veux, hein, si tu as des choses à dire. Et puis voilà, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Hey, hein. Merci. Et puis à une prochaine fois. Et on doit dire merci à tout le monde en France. Cette nouvelle album était. I'm forgetting all my French right now. I'm too tired. But everyone in France has checked out our new record. Everyone's been so awesome at all of these festivals. We just wanted to say thank you. Merci beaucoup à tout le monde en France. Yeah, it's been amazing how much France has been behind this record, and we're. Hopefully gonna come back soon and play some more club shows and stuff like that. Yeah, on doit retourner l'année prochaine, j'espère. Ok, très bien. Eh bien, à très bientôt. Salut. Salut. Bye bye.